Est-ce que tu doutes de Dieu? Il y a beaucoup de personnes qui doutent de Dieu. Tu as fait quelque chose de mal et tu doutes de son pardon. Est-ce que Dieu va me pardonner? Tu vis quelque chose de particulier, tu as besoin d'une intervention de Dieu et tu doutes de la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu est capable d'intervenir? Tu traverses peut-être une situation qui t'attriste, tu es abattu, tu n'en peux plus. Et tu te dis, est-ce que Dieu se soucie de moi? Tu doutes de l'attention de Dieu. Tu es peut-être seul, tu as été rejeté, tu te sens isolé et tu doutes de l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? Et s'il m'aime, pourquoi je me sens si seul? Tu penses à demain, tu penses à ton avenir, et puis là, en voyant cette actualité trouble, tu doutes de la fidélité de Dieu. Mais qu'est-ce que je vais devenir demain? Est-ce que Dieu sera avec moi? Est-ce que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie? Est-ce que tout ce que Dieu dit dans sa parole, il le fera? Il y a tellement de choses qui peuvent te plonger dans le doute. J'ai envie de te dire, arrête de douter. Ne doute pas de la parole de Dieu, mais doute de tes doutes. Parce que tes doutes sont liés à tes sentiments. Et la parole de Dieu n'est pas liée à tes sentiments, mais elle est liée à la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu déclare, il le fait. Tu m'entends? Tout ce que Dieu dit, il le fera dans ta vie. Alors, cesse de douter, cesse de nourrir tes doutes, prends la parole de Dieu et nourris ta foi et vis par la foi. Le juste vivra par la foi. On va prier maintenant. Merci Père pour ton enfant qui est là, parce que je crois que tu extirpes toute forme de doute dans son cœur. Tu as un plante, Seigneur, une graine de foi qui va pousser, Seigneur, et porter du fruit dans chaque aspect de sa vie. Merci Seigneur, parce que tu permets qu'il puisse se nourrir de ta parole et que ta parole, Seigneur, soit le socle, le fondement, l'appui, Seigneur, sur lequel il bâtit sa vie et sa relation avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.